Bonjour, bienvenue sur la page Jeunesse africaine et diasporique. Je m'appelle Frank Wengel, je suis passionné par le leadership de la jeunesse africaine sur le continent et dans la diaspora. On présente généralement le continent africain comme un vaste territoire riche en ressources naturelles, exploité par des multinationales étrangères qui rapatrient leurs profits après exploitation. On voit aussi que ces entreprises reversent des rentes aux gouvernements locaux. Et les pays hôtes, les pays concernés, abritent une élite intellectuelle, financière et gouvernementale qui concentre l'essentiel des richesses et les populations locales qui sont essentiellement jeunes vivent dans une extrême précarité. On voit aussi une poussée de l'extrémisme religieux dans les régions africaines à forte concentration de ressources naturelles. Je pense notamment au golfe de Guinée, je pense au Sahel et je pense aussi au Sahara. On voit enfin que le taux de croissance des populations est plus fort que le taux de croissance des richesses des États africains. Je fais cette vidéo pour informer, pour sensibiliser la plupart des jeunes sur le continent et dans la diaspora. Je parle des jeunes africains afin qu'ils puissent savoir ce qu'il y a dans notre sol et dans notre sous-sol. Parce qu'on dit généralement par abus de langage que l'Afrique est riche en ressources naturelles. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est quoi les enjeux politique, économique et géoéconomique que ça implique. Je veux aussi, à travers cette vidéo et dans cette nouvelle décennie, commencer à sensibiliser et à préparer la nouvelle génération de jeunes industriels africains qui seront capables d'exploiter les ressources naturelles et les transformer sur place pour créer de la valeur ajoutée et donner des emplois à des millions de jeunes africains. Je vous invite à liker cette page, à partager, car la suite vient et vous ne serez pas déçus. Merci.